Là, Jacquera, non, on commence un tout nouveau jeu. Depuis ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Attendez, moi je voulais juste régler le son. Je veux pas casser le truc, mais juste avant que la musique elle me pète les oreilles. On va foutre ça à 80, 80 et là 90. Les voix toujours un petit peu plus fort. Appliquer. Faut que je me rappelle. Que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. Ok. Je vous ai trouvé toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous? Un nom, par exemple. Quelqu'un a contacté. Vous devez avoir de la famille, des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Eh. Vous n'êtes pas bavarde, hein? Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. On n'avance à rien. C'est une cicatrice. Elle est récente. Je vais les empêcher d'intervenir, ils sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attendre que j'arrive. Bon sang, alors rappelez-les immédiatement, vous m'entendez? Vous devez absolument les en empêcher. Imbécile, quel grand imbécile. Je sais. Ils arrivent. On va baisser juste un petit peu encore le son. Désolé de casser l'ambiance, mais... On va faire un cran de plus. Et ça, on va juste le mettre à 85. Mais calme, qu'est-ce qui se passe? La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est? Cody, qu'est-ce que tu as fait? Je
Oh, elle est forte la meuf. La force est forte en elle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je choisis ce chapitre? Je clique? Non, c'est bon. Ah, te voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais... Mais je crois que c'est l'heure, princesse. Clique gauche. Là, moi je veux ramasser la poupée. Je vais aller sur le lit. Ah. C'est bon. Allez, princesse, tu joueras tout à l'heure, c'est promis, viens. Moi je vais sur le lit. Je sais que t'es fatigué, Jody, mais on doit y aller. Moi, je veux changer mes vêtements. Je peux pas. Pour une fois qu'il y a un adulte qui me tiendra pas par la main pour que j'aille manger mes brocolis. Non, moi, je vais là-bas. Rien à faire. On peut pas fouiller dans le frigo. Je regarde la télé. D'accord. Ah voilà. Les aventures de je ne sais trop quoi. Allez, vite, Jody. Oh, mon loup. Je suis en train de regarder mon dessin animé préféré. Non, moi, je vais là. Je vais jouer à la petite maison, la petite poupée. On peut pas? Georgina, merci du follow. Viens de la maison. On y va. Nathan va nous attendre. Moi, je veux de la pizza. T'en peux rien faire hein, chez les adultes, c'est pas drôle. Je peux pas effacer le tableau. Putain. C'est quoi ces saccades dégueulasses? Oh, faut en moyen. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Par contre, la caméra. Non mais là, je vais la caméra. Oh, bon, fait... J'ai plus de monnaie en plus. La caméra fait n'importe quoi. C'est parce que. Salut Alan. Je vais n'importe où. C'est presque prêt. Ça fait 2 semaines. Salut ma puce, t'es trop mignonne aujourd'hui. Et voilà. Il va pleuvoir ce week-end. Il a beaucoup plu cette année. Regardez alentour. Par contre, il ne fait pas trop froid. Non, en effet. Salut Jody. Comment s'est passée ta journée? Ça peut aller. Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne.
Et voilà. Maintenant, t'es une vraie princesse. Ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord? J'ai eu la couronne, j'ai pas eu la fève, je comprends rien et tout. C'est dégueulasse votre couronne. Jody, est-ce que tu m'entends? Épaule. Ok, on y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi. On va lui demander d'en choisir une, et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Tu crois que tu y arriveras? Épaule. C'est le jeu du ni oui ni non. Super, alors on y va. Première carte. What the fuck? Wow. Elle est où l'autre? Waouh. Waouh. Elle a pris de l'étoile. Carte suivante. On dirait qu'on est alcoolique. Attends, je peux aller voir les autres? Rythme cardiaque du sujet tombe à 45 pulsations. Lui sait maintenir jusqu'à la fin de l'action. Je note une augmentation des ondes cérébrales d'état à 4,5. Je peux posséder les gens? Tu peux faire quoi avec lui? Aiden, laisse-le tranquille. Oh, Greg. Oh, ça va? Ouais. Ah, j'ai quitté le corps, du coup. Ouais. Ça va. Aiden, non! Ah si si! Ah si si! C'était quoi, ça? On dirait qu'Aiden n'est pas de très bonne humeur. Il fait ça pour s'amuser, c'est tout. Oh. Vous sentez ça? Il fait de plus en plus froid. Il est là. Ok, bon. Et l'autre, elle attend toujours avec son carré? Carte suivante. Attends, moi je vais aller, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce qu'on peut aller se balader dans le couloir? Ah, que oui! Ah, on peut pas. Ah, oh, on peut pas aller plus loin. Attends, je vais aller là-bas. Est-ce qu'on peut aller au sous-sol? Non, on peut pas. Est-ce qu'on aller, on peut aller où? Aller, non, on peut pas aller à l'étage. Aiden, c'est le contrôle, l'esprit qu'on contrôle? Ah, je dirais que oui. Est-ce que tu vois la carte, Jody? Les vagues. Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Jody, dans la pièce d'à côté, on a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber? J'imagine trop le truc, Tommy se balade tranquille en fantôme et là, pas du fin du jeu. Dans la salle d'à côté. Je passe par la ventilation. D'accord, tu veux. Relâchez, clic gauche. Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets? J'ai un pouvoir kinétique, en fait. Et hop, ah. Les cartes. Attends, la chaise de la meuf, on peut la faire tomber? Le sac à main! Hop! Non! La chaise! Fuck!
Attends, faut que je lui tire la bouteille d'eau dessus. On peut pas. On peut pas viser la dame. La violence, c'est mal, vous voyez. Ah, je l'écarte. Vive la table. Désolé, mais j'arrête là. Ok, Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. Fermée. La porte est fermée. Paf, le meuble. Non, Kathleen, c'est pas fermé. Elle doit juste être bloquée. Donne-moi un instant. Faites-moi sortir de dessus. Restez calme, Kathleen. Arrête ça immédiatement, Jody. Le test est terminé. Tu dois arrêter, compris? Paf. Bim. Calmez-vous, Kathleen. On arrive tout de suite. Je vais tout péter. Y a un problème. Elle est en danger. Fais-la sortir de là. Il y a plus rien à casser, hein. Fonce la porte. Là. Là. Non, Aiden, non. Je pouvais pas la tuer. Jody. C'est fini, Jody. Tout est fini. C'est fini. Donc Aiden, c'est un esprit maléfique qui la possède, en gros. Ce sera jamais fini. C'est exorciste le machin. C'est quoi ça? Pourcentage des joueurs ayant également suivi ces voix. 34%, Chaos semé. 75%, Kathleen laissée tranquille. Il y a 75% des gens qui ont laissé Kathleen tranquille? Non, mais c'est les gens, ils savaient pas qu'il fallait cliquer. Moi, 100%, je fous le chaos. Non. Voix non empruntée pour les deux? Genre, j'étais trop lent pour... à la fin, j'aurais dû taper Kathleen? Enfin, Du coup, j'étais entre les deux, quoi. J'ai pas fait l'un ni l'autre. Ah bah oui, parce que 75 plus 34, 99, donc je suis dans les 1%.